Allez, avec ce petit générique vraiment 100% place du village, on peut le dire. On va justement parler de cette petite vidéo justement qui a été publiée sur les réseaux de la place du village avec d'impressionnantes murailles de neige. Et oui, il y a eu beaucoup de neige qui est tombée durant cet hiver et notamment ici, vous pouvez voir du côté du col du Galibier en Savoie. Et on voit, eh ben oui, c'est pas évident de faire du vélo. Et pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'à là-haut, ça vaut le coup. Regardez des images impressionnantes avec des hauteurs qui peuvent atteindre des fois 4, voire 5, voire 6 mètres par endroit. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de neige du côté du col du Galibier. C'est en Savoie avec les courageux qui font donc du vélo dans nos montagnes. Soyez prudents, hein. On peut voir en plus avec vraiment un très beau soleil pour ces images. Voilà, toujours des courageux. Heureusement qu'il y en a. On continue avec cette fois-ci, on va donc aller du côté de la Haute-Savoie. Le paradis. On vous conseille d'aller dans le village de la Banne de Tuy en Haute-Savoie avec ce troupeau de vaches qui en a bien profité durant donc le week-end dernier, donc avec le soleil qui était présent. Et voilà, elles sont de sortie, même si la météo est un petit peu compliquée, ça ne les empêche pas donc de profiter des instants de soleil à travers donc la Banne de Tuy, dont je vous rappelle, qui se trouve du côté de Thônes, en Haute-Savoie. Voilà pour ces bel instant, avec également le son des cloches pour cette fin de journée. Ça nous fait du bien d'entendre ça. Voilà pour ces instants. On continue avec un autre troupeau également qu'on a pu découvrir avec la place du village. On va voilà avec cette vidéo notamment avec la montée, oui la montée dans les alpages, notamment du côté de Châtel en Haute-Savoie. Voilà, on voit cette montée de la ferme du Lingois. Donc on peut voir voilà avec les fleurs également qu'elles sont donc toutes décorées de fleurs. C'était donc durant le week-end dernier du côté de Châtel en Haute-Savoie. Pour cet instant, voilà, elle monte tranquillement à l'alpage et ça continue encore avec les montées d'alpage à travers les pays de Savoie. Voilà pour ces images, toujours un paradis de pouvoir vous les proposer. Et puis enfin, on termine par les images de la place du village. Regardez justement, et ben encore un autre troupeau avec cette fois-ci une journée paisible pour ces belles vaches. C'était du côté de Renières en Tarentaise, en Savoie, avec les images de Alain Bolo, des tarines avec des abondances qui sont réunies du côté de la Savoie en Tarentaise. Le temps était plutôt assez gris, malheureusement. Pas de soleil pour elle, mais ça fait toujours plaisir de les entendre. Voilà, tranquillement, elle profite de ces beaux instants. Voilà, des belles images qu'on propose très régulièrement dans la place du village. On continue à vous proposer encore du contenu 100% local sur l'ensemble de nos plateformes. Également aussi à la télévision. Voilà, donc toujours des petits endroits. Voilà, on peut voir ces images tournées tranquillement par Alain Bolo qui a longé ce troupeau durant ces derniers jours à Renières, exactement, en Savoie. Voilà, toujours des bons instants avec la place du village. On remercie toute l'équipe hein, qui nous envoie plein de contenu et on continuera encore à vous offrir tous ces beaux instants. Voilà pour cette rubrique de la place du village tout en images à retrouver tous les jours sur l'ensemble des plateformes de la place du village et également aussi durant cette émission du 19h.